Alors Kim, c'est quoi tes plans pour cette année? Les vacances, c'est bientôt terminé. Tu as 18 ans. Maintenant, il est l'heure de choisir l'école dans laquelle tu vas aller. Mais maman, enfin c'est bon, je peux me prendre une année pour moi ou bien trouver un petit travail. Franchement, étudier l'école, ça me saoule. J'ai plus très envie. Et puis, avec Louis, on va sûrement prendre un appartement ensemble. Pour être honnête avec toi, lui, je t'aime bien, tu es un bon garçon. Mais vous n'avez pas de travail, vous comptez payer comment votre appartement? Mon père est dans l'immobilier, il a certainement un appartement pour nous et qui plus est, serait gratuit pour nous. Tu vois, maman? Et en plus, regarde, nous on est riches, la famille de Louis, elle est riche, je vois pas pourquoi on doit faire des études. On n'a pas besoin de faire des études maintenant, on est majeur, on devrait passer notre vie à profiter. La vie est tellement courte. Kim, si, comme tu dis, nous sommes riches, c'est sûrement parce que ton père travaille énormément. Et regarde, la chaise à ma droite, elle est vide. Pourquoi? Parce que ton père est encore en train de voyager pour le travail, pas pour s'amuser. Et donc, par respect, tu devrais t'entretenir toi-même. Écoute maman, si ça te dérange, ben tu sais, la famille de Louis, elle peut m'entretenir à elle toute seule. J'ai pas besoin de ton argent, ni de celui de papa, ni de celui de la famille en général. Kim, ça suffit. Tu as de la chance d'être enfant unique. De la chance, je ne sais pas, hein, c'est pas de ma faute si papa il est pas fertile et vous avez pas pu avoir d'autres enfants. Mais ça va pas, Kim, de parler comme ça de ton père? J'ai ma séance de sport qui va commencer. Louis, ça te dérange pas que je te laisse ici le temps de ma séance? J'ai quand même payé déjà le coach sportif qui va s'occuper de ma séance pendant une petite heure. Non, non, t'inquiète, tu peux y aller, je vais t'attendre dans ta chambre. Ok, merci. À plus tard. Louis, tu es un garçon intelligent. Qu'est-ce que tu en penses de toute cette situation? Vous savez, madame, moi ça ne me dérange pas que Kim ne travaille pas. Je veux avoir une grande famille et je veux pouvoir subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants par moi-même. Pas forcément provenant de ma famille, c'est pour ça que moi j'ai décidé d'aller faire mes études déjà dans l'Arizona. Ça fait plaisir qu'il y en a au moins un des deux qui a de l'ambition. Franchement, tu es vraiment adorable, Louis. Merci, je trouve aussi très joli. Ah oui, tu es plutôt un beau garçon aussi. Ouais, je vais y aller, madame. Hein. Louis, attends. Oui, madame. Ah, je suis rentrée, ça fait vraiment du bien. Regardez la forme, comme tu peux le constater. Louis, est-ce que tu m'entends au moins quand je te parle? Oh, oui, bien sûr. Alors, ça s'est bien passé, hein, c'est ça? Oui, je te l'ai déjà dit, ça s'est bien passé. Mais qu'est-ce que t'as? T'es un peu bizarre quand même. Ça va? Oui, ça va super. Pourquoi tu penses que ça va pas? C'est vraiment étrange. Bon, peu importe, je vais dans la salle de bain, je vais aller me doucher parce que là, je sens le chacal. Pas terrible, et il faut que je mette mes affaires de sport à laver. Ok, bah je vais rentrer chez moi alors, hein. Tu restes pas dormir ici? Non, pas ce soir. Je viens de me rappeler que j'avais un truc à faire chez moi. Hein? Vas-y, à demain. Ok, à demain, Louis, alors. Bonjour docteur, alors vous avez trouvé qu'est-ce qui me cause ces maux d'estomac? Ça fait une semaine que j'ai des crampes, je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai chopé une intoxication alimentaire assez grave, un virus ou quelque chose. Madame Spinoza, nous avons bien reçu les résultats des analyses vous concernant. Et non, vous ne souffrez pas de virus ou d'intoxication alimentaire, mais plutôt d'une grossesse. D'accord, ok. Et maintenant, vous pouvez me donner la vraie raison de mes crampes d'estomac, s'il vous plaît. Elle était bien bonne, celle-là. Madame Spinoza, je ne plaisantais pas. Je sais, je connais un peu votre parcours avec votre mari. À l'époque, j'étais stagiaire à l'hôpital lorsque vous êtes venue pour demander de l'aide pour tomber enceinte.
et vous avez fait un parcours vraiment exceptionnel, vous avez réussi à tomber enceinte. Et bien aujourd'hui, le miracle se renouvelle. Vous voilà encore une fois enceinte. C'est magnifique, non? Je sais que vous rêviez d'avoir plein d'enfants. Ouais. Quoi? Vous rigolez vraiment pas en fait? Non, c'est pas possible. Je peux pas être enceinte. Je ne veux pas être enceinte. Oh, excusez-moi, j'étais un petit peu indélicate. Je pensais que c'était un souhait de votre part et que ça allait être une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai, j'ai toujours rêvé d'avoir plein d'enfants. Et mon mari, avec ses problèmes, est quand même assez stérile, c'était impossible. On avait eu beaucoup de difficultés à avoir Kim. Mais j'avais accepté l'idée qu'on n'aurait qu'un seul enfant. Je ne comprends pas très bien alors. Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Tout simplement. Est-ce que vous êtes tenu au secret médical? Oui, bien évidemment. Nous ne divulguons pas les informations, les dossiers de santé de nos patients. Oui, c'est tout à fait normal. En réalité, je suis pas enceinte de mon mari. D'accord. Ok. Dans ce cas-là, ce que je peux vous proposer, ce sont les autres solutions. On parle bien d'avortement, là? Oui, c'est cela. L'avortement. Vous n'êtes pas à un stade vraiment avancé. Nous pouvons toujours envisager l'avortement, si c'est vraiment la décision que vous voulez prendre. Je ne sais pas. C'est dur comme décision. C'est vrai que j'ai toujours voulu avoir plus d'enfants. Mais en même temps, ce serait l'enfant de mon gendre. Attendez, vous avez eu une relation avec le copain ou le fiancé de votre fille? Oui, je sais, c'est pas fameux, mais ça s'est fait naturellement. Ça a été une erreur, on l'a plus jamais refait. Et comment c'est possible que je tombe enceinte aussi facilement? C'est pas possible. Comment je vais faire? Ah oui, là vous êtes vraiment dans la sauce, si je puis me permettre. Écoutez, je pense que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Et bien, vous en avez un petit peu, mais pas trop non plus. Alors, prenez une décision et revenez nous consulter lorsque vous l'aurez prise. D'accord, merci. Kim Shehi, est-ce que je peux te parler? Maman, si c'est encore par rapport à ces histoires d'études, tu as raison, je devrais en faire. Et je vais en faire, je te promets que l'année prochaine, je vais me prendre en... Je vais prendre des leçons, des études, des tout ce que tu veux, et etc. Mais laisse-moi au moins une année où je peux un petit peu souffler de l'école, et puis en même temps, ça me donnera également du temps pour choisir quelle étude je veux faire. Parce que là, honnêtement, j'en sais rien, d'accord? Et ça me stresse, et j'ai beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Non, c'est absolument pas ce que je voulais... même si ça reste un sujet de conversation qu'on va devoir avoir... Il y a autre chose, je voulais savoir par rapport à ta relation avec Louis, comment est-ce que ça se passe en ce moment? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vinaigre dans le vin, de l'eau, je sais pas comment on dit, enfin bref, t'as compris. C'est vrai que Louis en ce moment est un petit peu étrange, enfin il est un peu différent d'avant, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus gentil que d'habitude, il me fait beaucoup plus de cadeaux également, même s'il m'en a toujours fait. Mais alors là, il redouble d'efforts et puis des cadeaux, oh là là, tu verrais. Des bijoux de marque et tout. C'est vraiment bien, même si c'est pas son comportement habituel. Mais je me dis, en fait, c'est parce que maintenant on est des adultes. C'est connu quand on était mineur, maintenant on est des adultes. Et donc il doit se dire, oh, maintenant qu'on est adulte, j'offre des cadeaux à la hauteur de notre maturité. Je vois. Et tu ne penses pas que s'il t'offre autant de cadeaux et tout ça, c'est qu'il a peut-être quelque chose à se faire pardonner. Quelque chose à se faire pardonner, tu dis? Peut-être bien, mais peu importe ce qu'il a fait, vu les cadeaux que j'ai reçus, c'est largement pardonné. Ah, ok, et admettons, il t'est trompé. Est-ce que tu aurais toujours le même discours? S'il m'a trompé... Ah, c'est vrai que là, c'est pas évident comme question, maman, mais... Je pense qu'on pourrait passer outre ça. Je pense qu'on pourrait avoir une conversation
d'adulte maintenant et poser les cartes sur table et puis peut-être qu'elle fait... Oui, je pense que je pourrais lui pardonner. Même une tromperie. En temps normal, je t'aurais demandé de ne pas pardonner ce genre de choses, mais... Là, en fait, je dois t'avouer quelque chose. Oui, maman, je t'écoute. Bonjour. Oh, coucou chérie. Oh, Louis, tu es là. Je sais pas si tu tombes à pic ou pas, mais en tout cas, j'allais dire quelque chose à ma fille. Et tu sais de quoi je parle. Ah, d'accord, mais d'abord, je dois dire quelque chose d'important à Kim. Oui chérie, je t'écoute. Est-ce que tu veux m'épouser ? Quoi ? Mais t'es pas sérieux, Louis ? Si, je suis plus que sérieux. Je t'aime, Kim. Et je pense qu'on devrait partir tous les deux loin d'ici, pendant cette année sabbatique. Comme je t'ai dit, je vais aller faire mes études en Arizona, qui est quand même assez loin de Brookhaven. Et mon père nous a déjà pris un appartement sur place. Un appartement dans un penthouse avec une superbe vue, ainsi qu'une piscine sur le rooftop. Sérieusement ? Oh non, c'est génial. J'ai trop hâte de partir. Louis, tu peux pas faire ça. Et puis toi non plus, Kim. Et pourquoi, maman ? Mais madame, vous aviez pas dit qu'on devait passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Oublier ce qui s'est passé et puis continuer à aller de l'avant. C'est vrai, mais l'idée... L'idée de te voir partir avec ma fille après ce qui s'est passé... Eh bien, ne m'en diffère pas, je peux pas rester stoïque par rapport à ça. Jusque maintenant, ça vous dérangeait pas, qu'est-ce qui a changé ? Il y a une vibes vraiment étrange là qui se passe dans cette pièce. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je suis pas au courant ? Oui, ma fille, il y a quelque chose dont je dois te parler. Et c'est très très important. Madame, vous devriez réfléchir à ce que vous allez dire là. J'ai vraiment bien réfléchi, Louis, et ça te concerne aussi. Attendez là. Je sais qu'est-ce qui se passe ici. Ah bon, t'as compris ma chérie ? Non mais c'est pas ce que tu crois, hein. C'est ta mère, ok ? C'est elle qui est venue et qui a flirté avec moi. Quoi ? Comment ça ma mère elle a flirté avec toi ? De quoi vous parlez ? Ah, c'est pas ce que tu voulais dire ? Absolument pas, j'étais en train de me demander justement si en fait vous vous étiez pas mis d'accord pour que je parte en Arizona avec toi. Mais en fait rien du tout, ça a rien à voir. Mais comment... Non, me dites pas que vous deux là, vous avez... Non. Non, non, il s'est rien passé. Ta mère, elle a juste flirté avec moi. Et j'ai refusé ses avances. Mais qu'est-ce que tu racontes, Louis ? On était tous les deux dans le flirt. Pourquoi tu mens comme ça ? Madame, je vois pas de quoi vous parler. Justement, si je veux partir avec votre fille loin d'ici, c'est justement pour vous éviter cette relation un peu bizarre qu'on a tous les deux, d'accord ? Je veux que vous arrêtiez de flirter avec moi. Maman, t'es sérieuse ? T'as flirté avec mon mec ? Mais ça va pas dans ta tête ? Je suis désolée, chérie. T'es allée bien plus loin que ça, et je regrette vraiment. Mais je peux pas garder ça pour moi. Tu es ma fille chérie. N'importe quoi ! Lui vient de dire qu'en fait, y a rien eu entre vous deux. T'es en train de t'inventer une vie, c'est ça ? En fait, ça y est, je sais, j'ai compris, t'as la quarantaine. Tu t'ennuies, tu t'es dit, tiens, si je pimentais un peu ma vie en racontant des ragots sur le copain de ma fille. Bon, ça ne peut plus durer. Vous pensez vraiment que le fait que je sois tombée enceinte, c'est par le Saint-Esprit ? Quoi ? Vous êtes enceinte et cet enfant, il est de moi ? Comment ça de toi ? Tu viens de dire qu'en fait, il y a eu juste du flirt. Tu t'es auto-balancée. Mais c'est quoi ce délire ? Mais vous êtes complètement des maboules, en fait. De qui d'autre ? Mon mari est pas à la maison depuis... ça fait presque 2 mois qu'il n'est pas rentré. Donc, oui. De toi, Louis, je suis enceinte. Et j'ai décidé de garder cet enfant. Oh mon dieu. Alors quoi ? C'est vrai, Louis, toute cette histoire ? J'ai... Non mais c'est... Ah mais vous... Ah ça... Ah je suis... Ah vous êtes dégueulasse. Oh non. Écoute, Kim, je suis vraiment désolée. C'est... Ça s'est fait, ça s'est passé qu'une seule fois. Et malheureusement, voilà, je suis tombée enceinte. Et tu sais très bien que... C'est comme une bénédiction. À mon âge, en plus. Je suis vraiment désolée. Et je comprendrais que tu m'en veuilles, mais je suis sûre qu'on peut passer à travers cette étape, toutes les deux. Et papa, dans cette histoire, quand il va apprendre ça, je vais aller vivre avec lui. Et on ne te reverra plus jamais. Et toi non plus, Louis, je ne vais plus jamais te revoir. Je m'en veux aussi par rapport à ton père.
Même si je sais que ça fait 2 ans qu'il entretient une relation avec sa secrétaire. Hein ? Mais c'est quoi, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la journée des révélations, c'est ça ? Bon. Moi, je vais aller appeler papa. Je vais lui demander qu'il me prenne un billet d'avion. Comme ça, je vais aller le voir. Il est à Manhattan, je crois. Ça me fera des vacances de tous les deux. Louis, je veux plus jamais te revoir. Et maman ? Pas toi non plus, en fait, t'es même plus ma mère. Voilà. Chérie. Ça va, vous êtes contente, vous avez brisé notre couple. Louis, la seule personne qui a brisé son couple ici, c'est toi. Moi, la mienne, enfin, mon couple était déjà brisé bien avant. Ça changera pas grand-chose. Par contre, au moins, ma fille ne va pas rester avec toi. On était si amoureux. On n'avait pas honte. N'essaye pas d'inverser la situation. La seule personne qui devrait avoir honte ici, c'est toi. Même si, en fait, si, moi aussi, je devrais avoir honte et j'ai un petit peu honte de ce qui s'est passé. Mais toi, plus que moi. Allez, maintenant, débarras. Tu t'en vas de chez moi. Je veux plus jamais te revoir non plus. Eh bien, tant mieux, parce que je vais pas reconnaître cet enfant. C'est pas plus mal. Oh. Tu vas assumer cet enfant toute seule. Je m'en veux terriblement pour Kim. J'espère qu'un jour elle me pardonnera.